secret. Alors je t'écoute. Bon, je vois pas trop où tu veux en venir là. Bon, défendez-moi. Écoute, Sandrine. Oui, peu importe. On m'a demandé de faire de cette soirée une soirée d'exception. Et en tant que créatrice absolue de cette ouverture, oui, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait, l'écriture, la révélation finale, en passant par les costumes, les lumières, et tout ça avec une maîtrise totale. Mais si on m'interrompt, ce sera forcément moins bien. Tu vois où je veux en venir? Je vois très bien, ouais. Bon, écoute, Cendrillon. Sandrine. C'est pareil. Est-ce que moi, je te dis comment disposer le Schweppes et les fraises Tagada sur la table de catering? Non. On est d'accord. Je te laisse faire ton travail. Donc toi, tu me laisses faire le mien. C'est-à-dire, briller. Et la cérémonie dans tout ça? Oh, mais j'y viens, Sandy. Ah. J'y viens. Parce que... Bon. Cher public, et les autres, ne vous en faites pas, ceci n'était qu'une petite mise en bouche. Reprenons. Le gars des rideaux, on ferme les rideaux et on reprend depuis le début, ok? Ah non, pas depuis le début, non, la cérémonie va être beaucoup trop longue. Ouais, en même temps, foutu pour foutu, hein. La foule n'a plus de surprise maintenant. Eh ben non. Voilà. Lui, c'est Julien, au fond, là-bas. Oui, bref. Sandy voudrait qu'on quête les premières mesures. Vous avez fait ce que vous avez pu, hein, c'était mignon. Mais on va reprendre au moment le plus important, c'est-à-dire mon entrée, mesure 35. Eh ben voilà, et tu fais très vite. Hey!
ma vie. Bah ouais, bah elle est sérieuse. Non mais Kaina, ça ressemble pas du tout à une ouverture de cérémonie, ce que tu viens de faire. Ah bon? Et c'est quoi alors? Ouais, on dirait plutôt le showcase Kaina Blada, le musical. Alors écoute Christine, c'est une très bonne idée. Chanderie, j'adore. C'est pas grave. Voilà. Mais pas maintenant, pas ce soir. Voilà, et ben on est d'accord. Oui, donc on reprend. Voilà, voilà. Et la cérémonie dans tout ça? Oh mais j'y viens. Ah, j'y viens. Parce que... Patience et force de... Courage. Hein. Sagesse, Sabine, sagesse. Oh là là, tu me donnes chaud à dire n'importe quoi. Maquilleuse. Ah non, 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 pas la maquilleuse. Non, non, s'il te plaît. La cérémonie va être beaucoup trop longue. Mais j'ai chaud, moi. Oui, bon... C'est pas de ma faute, moi, si cette année la climatisation n'est que pour le peuple. Kaina, quand même. Bon, ok. On reprend. Merci. À mon entrée. Non. Les gens vont dire que t'as foiré l'ouverture, Sancho. Oh, wow. Ok. Eh bah, on reprend. Mesure 35. 218. De la comédie musicale. Artistes scintillants et spectateurs éblouis par les feux de ma rampe, bonsoir. Je suis Kaina et je suis votre guide dans ce fabuleux voyage. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je présente la cérémonie. Je t'épaule. Je te supporte à bout de bras, Anne-Sandra. Drine, Sandrine. Anne-Sandrine, voilà. Ça va? Tu sais, Kaina, j'ai entendu dire que le sari d'or accorde 3 vœux. Ah bon, lesquels? Ouais. Eh bien, premier vœu, que Kaina ait fait une ouverture spectaculaire. Je souhaite avoir fait une ouverture spectaculaire. Oui. C'est bien. Deuxième vœu, que Kaina reçoive un tonnerre d'applaudissements. Oh, je fais tout ça. Que Kaina fasse une sortie spectaculaire. Je souhaite faire une sortie spectaculaire. Voilà, puis tu ramasses tes diams aussi parce que tu veux les oublier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Mais c'est quoi cette sortie? Mais c'est nul! C'est ridicule! C'est la honte! Tu reviendras, Sandrine!
pouvez applaudir notre maîtresse de cérémonie, Madame Sandrine Sebille. Bonsoir. Merci pour votre accueil si chaleureux. Ça fait chaud au cœur. Alors, vous pensiez peut-être arriver à Broadway ce soir et vous vous retrouvez propulsé au cœur de Bombay. Mais les paillettes sont universelles et ce soir, eh bien, elles ont juste un peu plus d'épices. Mesdames et messieurs, l'Inde, avec ses productions annuelles de films musicaux, nous rappelle que plus c'est grand, mieux c'est. Je reprends. Ce soir, nous faisons plus que célébrer la comédie musicale. Nous célébrons la vie, tous ensemble, dans sa forme la plus mélodieuse, la plus colorée et, avouons-le aussi, parfois la plus dramatique. Alors oui, bien sûr, le choix de cette ouverture peut vous sembler étrange, mais n'est-ce pas là l'essence même de la comédie musicale ou de toute proposition artistique, le choix? Vous avez 4 heures. Plus sérieusement, ce soir, nous sommes rassemblés pour rendre hommage à l'incroyable capacité de l'art à nous rassembler tous, à célébrer nos différences et à faire d'un petit moment ordinaire une aventure extraordinaire, inoubliable. Alors que cette soirée soit un pont reliant Broadway à Bollywood, Paris à Punjab, et tous les cœurs ici présents, à nos artistes qui, grâce à leur créativité, rendent ce monde un peu plus beau, vibrant. Je déclare la 6e cérémonie des trophées de la comédie musicale ouverte. Nous allons commencer avec le trophée de la création de costumes. Et pour remettre ce prix, oui, j'appelle la directrice de production des spectacles et des costumes de Disneyland de Paris, Madame Françoise Barbier. Bonsoir à tous. Et bien maintenant, c'est le moment donc de célébrer l'enchantement orchestré par les costumes, le maquillage et les perruques, qui partent à partir de couleurs d'étoffes et qui nous enchantent pour souligner et accompagner ces belles créations. Donc je vais vous citer les nominés et je promets, je vais essayer de ne pas écorcher les noms. D'abord, Audrey Barca. Jackie Théodorny, Edwige. Alors là, ça, c'est pas gentil. Parce que moi, je suis derrière ma bêtise. Allez, je la refais. Donc, c'était Edwin et un autre. Je ne sais pas ce que j'ai compris. Inch. Donc, ensuite, Jean-Daniel Villermoz. Et lui, il me dit quelque chose parce que je crois qu'on a fait des petites choses ensemble il n'y a pas longtemps. Pour Molière, Kamel Awali. Alors celle-là, la liste, elle est horrible. Elle est plus longue, ils n'ont pas pu faire. Prendre une grande respiration. Jiza Djebouri, Sasitom Lamrangan, Jeanne Mila, Mariana Rivaro, Emma Warren, Athena Xionling-In pour mon premier cabaret. Audrey Borca, une nouvelle fois, Sylvain Rigaud pour le Soldat Rose. Maïté Wins, les vilains. Les vilaines, pardon. J'aime bien le masculin aussi. Alors maintenant, je vais essayer dignement d'ouvrir cette enveloppe. Et j'ai le plaisir d'annoncer Jean-Daniel Villermoz.
pour le Molière du spectacle. Je ne suis pas du tout Jean-Daniel Villermoz. Je suis le remetteur en scène du spectacle Molière, Ladislas. Mais Jean-Daniel, qui est naturellement aussi créatif qu'il est bavard, a fait un très court mot dans lequel je ne le reconnais pas du tout. Mais c'est très court, donc je vais vous le lire. Jean-Daniel vous dit qu'il remercie l'Académie de remettre un prix pour les costumes. Il aimerait remercier son assistante Zoé Caillet pour la fabrication des costumes, Isabelle Réfad et Marie-Pierre Bessac pour l'organisation de l'habillage, Marlotte pour les maquillages, la création des coiffures, Catherine Saint-Sevé. Il voulait remercier Nicolas Coulier pour sa confiance et son merveilleux metteur en scène, Ladislas Chola. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Continuer la soirée, enchaînant avec le trophée de la scénographie. Et pour remettre ce prix, j'appelle Stella, celle pour qui les décors, les accessoires, la lumière n'ont plus de secret. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Stella. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Sandrine. Madame, monsieur, bonsoir. La scénographie dans une comédie musicale alliant décors, accessoires et lumières est cruciale. Créant l'illusion, elle guide les émotions, faisant des scènes, des moments magiques. En bref, la scénographie est l'âme visuelle de la comédie musicale. Les nommés dans la catégorie du trophée de la scénographie sont Sébastien Bruno, Nicolas Burgess, Stéphane Cotin, Jessica Duclos, Dominique Guillot et Jacques Rouvérolis pour Hedwig on the Angry Inch. Philippe Davila et Franck Arscouette pour Jonas Zogrenier. Emmanuel Favre, Stéphane Plisson et Dimitri Vassiliou pour Molière, le spectacle musical. Pierre Berthet, Doriane Frérot, Simon Legros et Jérôme Nicole pour Norma. Et enfin, Charles Grattecap pour Le Soldat Rose. Je vais avoir besoin d'aide pour ouvrir l'enveloppe. Merci Sandrine. Le gratin de la comédie musicale est pour ce moment dans un suspense insoutenable. Oh là 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 là! Qui donc a gagné? Fiche de renseignement bancaire? C'est... Alors, où est l'enveloppe? Mais où est l'enveloppe, Stella? Alors, Sandrine, en fait, je peux pas lire l'enveloppe si tu n'en as pas. Et t'es où? Bah, je suis. Alors, je suis juste un peu derrière toi. Là? Alors, t'es par là? Non, pas du tout. Je suis pas. Non, bah là, tu vas toi dans le. Voilà, c'est bien. Attends, ah, c'est toi, Véro. Me regarde pas trop, j'espère qu'ils m'ont pas vu. C'est un peu loupé. Hein. Du coup, tu n'as pas d'enveloppe. Je n'ai pas d'enveloppe. D'accord, moi non plus, parce que je devais en avoir une en coulisses. Tu n'en as pas. Bah, sinon, on ne dit pas qui a gagné.
C'est si ça tu veux. Ok, d'accord. Les gars, c'est vraiment n'importe quoi, c'est relou en fait. Franchement, c'est relou. Moi, ça me saoule. Déjà, normalement, il doit y avoir une enveloppe en coulisses pour que j'ai un doublon parce que sinon, je peux pas faire le truc. Vous en avez pas. À un moment donné, si vous organisez moi, ça avec les pieds, ça pue du cul vous, en fait. Ça pue du cul, ça me saoule, sérieusement. Ça me saoule. Tu vois, Lopez, t'es un peu loin de Tony, là, à un moment donné. Ça me fait chier. Bon, alors la scénographie. En plus, ton enveloppe, elle est purée. Attends, c'est bon, j'arrive. Véronique, je me sens un peu toute seule. Attends, parce qu'en fait, c'est un peu collé avec une super glue de fou furieux. Et, ah, le trophée de la scénographie revient à Dorian Frérot pour Norma. Un moment riche en émotions pour l'équipe de Norma qui reçoit ce soir le petit objet tant convoité. Merci Véro, c'est bon. Merci. Voilà, je suis pas trop habituée à être sous les projecteurs. D'habitude, je fais ce boulot dans l'ombre quand les projecteurs sont éteints. Et merci à l'équipe des trophées et puis merci à Big Drama de m'avoir emmenée dans cette folle aventure qui est de créer des mondes complètement fous, pleins d'amour et de pardon. Je suis un peu émue. Et voilà, merci. Et surtout, merci. Parce que là, moi, je suis toute seule, mais en fait, avec moi, j'ai une équipe de folie pour créer des décors incroyables. Et voilà, ils sont tous avec moi dans mon cœur. Et je les remercie mille fois, un million de fois. Et voilà. Alors ce soir, pour le premier nommé dans la catégorie comédie musicale, nous vous invitons dans l'univers touchant de Courgette, le spectacle. Inspiré par le roman Autobiographie d'une courgette et du film nommé aux Oscars, cette pièce explore les histoires entrelacées d'enfants en quête de résilience et d'espoir. Icare, alias Courgette, découvre l'importance de l'amitié et de la famille au sein du foyer où il rencontre Simon, Ahmed et la mystérieuse Camille. Ensemble, ils réapprennent à rêver, à guérir leur cœur, le tout sous le regard bienveillant de Raymond, le gendarme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir tout de suite un extrait avec Vanessa Cayol, Florian Chocard, Garland le Martelot, Lola Roskis Gingembre et Vincent Viotti. On va passer par les routes de campagne. Waouh ! J'ai jamais vu autant d'arbres. On est arrivé, mon petit. Quelle baraque ! Tu vas être comme un coq en pâte ici. Une dame aux cheveux blancs et en robe bleue descend les marches. Elle parle avec le gendarme et il me regarde. Je m'appelle Madame Papineau, mais tu peux m'appeler Geneviève. Bon, je vais m'en aller.
pas ça, je m'accourgeais. T'en vas pas, Raymond ! Je reviendrai te voir, mon petit. Tiens, tu penseras à moi. Et il me caresse le visage et rentre sa main dans la poche. Comme s'il m'emmenait avec lui. Sois un bon garçon. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et merci. Allez, viens, Icare. Je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Et la voiture à pompons bleus s'en va, reculons. Et j'ai la gorge qui me chatouille. Tu vas partager ta chambre avec deux autres petits anges. Ahmed. Salut. Et Simon. Simon. Salut. Dans la forêt. La première nuit, Simon m'a dit... T'es en prison pour au moins 3 ans. T'as intérêt à me beurrer mes tartines le matin. Sinon, je vais te pourrir la vie. Il est comme ça, Simon. À faire le coq, à menacer les autres. Mais s'en pousse un peu la voix, il fait plus le mariole. Hé, hey, tu parles trop, le concombre. T'en fais une bêtise, on est puni. Ça s'appelle... Un travail d'intérêt général. Et la grande sanction, c'est de faire... La rampe. Plein de poussière sur 2 étages. Et perso, je commence à avoir pas mal de crampes. Le matin, on est réveillé à 7h. Par les baisers à Rosie. Coucou ma courgette ! Rosie, sa seule éduque à dormir au foyer. Elle nous aime trop pour avoir une maison à elle. Ahmed, lui, il fait toujours pipi au lit. N'importe quoi. Et il demande tous les matins à Rosie si son papa va venir le voir. Son papa, il viendra le jour où il s'évadera de prison. C'est bon ! Bah quoi ? Mais quand tu sauras faire tes lacets, tu pourras faire le malin. En attendant, aide-moi à changer les draps d'Ahmed. Concorde, mais c'est pas juste, c'est pas de ma faute. Mais non, mon chéri ! Ça t'apprendra à faire le coq. Après, c'est l'heure du petit déjeuner avec les autres enfants du foyer. Julien, un gros blond des jujubes, prend des céréales tous les matins parce que sa maman a envoyé une carte du Pérou. Simon,
Pourquoi Jujube n'est pas avec sa maman? Parce que ses parents voulaient être tranquilles pour faire le tour du monde. C'est pas juste. Il y a aussi Alice. Elle est souvent assise sur les genoux à Rosie. Ses parents buvaient tout le temps. Il la tapait et même qu'il l'attachait au radiateur. Oh, c'est sûr que son papa, c'est le tueur des femmes blondes. Oui. Comme aux infos, la télé, c'est... Après, c'est l'heure d'aller à l'école. En autocar. Moi, j'aime bien m'asseoir au foin avec Simon. Ahmed, lui, il est assis derrière Gérard. Bonjour. Le conducteur. Alice est assise à côté de Béatrice, une petite noire aux lunettes rondes avec les doigts dans le nez. Simon, pourquoi Béa la fontaine? Son papa lui a fait des papouilles. C'est quoi des papouilles? C'est quand tu joues avec ta langue. Ah mais c'est dégueu. Oui, et depuis le papa de Béa, il est en prison avec le papa d'Ahmed. Oh. Derrière les filles, il y a les frères Chafouin, Antoine et Boris. Ils sont inséparables. Eux, ils sont orphelins depuis que leurs parents sont morts dans un accident de voiture. C'est quoi des orphelins? C'est des enfants qui n'ont plus personne pour les aimer. Rosie, elle nous aime tous. Oui, mais c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Mais t'es con, toi, des fois. J'ai attrapé ses cheveux. Et Pauline, la pionne, nous a obligé à faire... La rampe. On est arrivés, les morveux. Tout le monde y descend. À l'école, on retrouve Monsieur Paul, notre instituteur. Bonjour, bonjour Monsieur Paul. Et il nous apprend à construire la maison de nos rêves. Les frères Chafouin ont fait une maison en verre toute transparente. Simon a mis des barreaux à toutes ses fenêtres. Béa a mis de la fausse herbe. Alice a oublié le toit exprès pour voir les étoiles. Jujube a sniffé sa colle. Et Ahmed, lui, bah, il a rien fait. La maison de mes rêves, elle existe pas la maison de mes rêves. Et il a quitté la classe. Et Monsieur Paul est parti à sa recherche. Il est comme ça, Monsieur Paul, avec les enfants. Simon dit qu'il en a 6 à lui, et que si personne vient nous voir au foyer le samedi ou dimanche, Madame Papineau nous laisse dormir chez lui. Toi, t'as le gendarme qui vient nous voir, t'as de la chance. Ouais. Quand l'école est finie, on range nos cahiers, nos crayons, on dit... Au revoir, Monsieur Paul. Et on remonte dans l'autocar à Gérard. Bonne soirée. Quand on arrive au foyer, on va voir Madame Papineau pour lui raconter notre journée. Oui. Ou prendre des bonbons dans l'armoire. L'autre jour, Béatrice a encore demandé avec ses doigts dans le nez et si elle pouvait parler avec sa maman dans le téléphone. La maman de Béa promet tout le temps de venir la voir. Et alors? Elle vient jamais. Oh. Et quand elle entend une voiture, elle descend en courant et c'est toujours la voiture de quelqu'un d'autre. C'est pas juste. Les enfants! Après le dîner, on se brosse les dents, on se couche et on attend le baiser à Rosie. Et des fois, Rosie, elle renvoie Simon à la salle de bain. Rapport aux épinards coincés entre ses dents. Hé hey Simon, on dirait que t'as les dents toutes moisies. C'est toi le moisi. Et avant d'éteindre la lumière, Rosie nous chante une berceuse. Moisi petit zizi. Rosie. Prépare-toi, petit garçon. Elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Passons à la catégorie suivante. Ce théâtre, pour nos petits spectateurs, sème l'idée qu'impossible n'est qu'un mot. Et le théâtre jeune public n'est pas un théâtre de simple divertissement. Il leur apprend à comprendre le monde, à exprimer leurs émotions, pour grandir et pour mieux appréhender leur avenir. Alors, les nommer pour le trophée de la comédie musicale jeune public 2024 sont Denver, le dernier dinosaure.
famille Croque-en-Bouche. Guignol, la grande aventure musicale. Le soldat Rose. Et enfin, Winnie et le coffre aux merveilles. Et le gagnant est... le soldat Rose. Bonsoir à tous. Tu oublies quelque chose? Ah ouais, merci. Merci beaucoup pour ce prix. Alors évidemment, ici on a le droit de dire merci, donc j'en profite. Merci à la production Décibel, merci à mes complices Charles Gradcap, Angela et cette merveilleuse équipe de comédiens que j'aime tellement profondément. Et merci à Louis Chélide, évidemment, qui a composé les chansons de ce spectacle, et Pierre-Dominique Burgot. Et je voudrais remercier... l'Académie des Trophées de la Comédie Musicale de donner un prix pour un spectacle qui parle de tolérance, de bienveillance. Et effectivement, c'est important, je pense, d'éduquer les futures générations à avoir un petit peu plus d'amour envers les autres, quelles que soient leurs origines, leurs couleurs, etc. Donc, merci. Le prix du livret et de la partition, j'appelle maintenant le charismatique Olivier Bretman et l'envoûtante Rachel Pignot. Bien. Eh bien maintenant, il est temps de récompenser le talent et le courage. Oui, le courage de créer, d'innover, d'offrir des spectacles uniques. Unique, oui. Bah, si, unique. Attends, excuse-moi Olivier, mais quel est le meilleur compliment qu'un auteur peut recevoir de nos jours? J'avais un copain, quand il sortait du spectacle, il ne savait pas exactement quoi dire, et à chaque fois il disait « J'ai jamais vu un spectacle pareil ». Mm-mm. Oui, non, ça peut être mal pris. Oui. Mm. Non, alors non, l'histoire est géniale. Mm-mm. Que la musique est géniale. Vas-y, dis-moi. Alors, on attend qu'on nous dise. Waouh, c'est super. On dirait du. Du? On dirait du. Je comprends pas. Par exemple, il y a quelques années, il y avait une comédie musicale. Raus non, Exit. Ah oui. Stéphane Dieter und Geitenborg. Ja. Ja, oh, wunderbar. Oui, ja. J'ai adoré. Quand j'en suis sortie, je me suis dit, mais c'est un peu du Mamma Mia sur fond d'air de Carlos. T'es sûr que tu l'as vu? Et alors, l'année d'après, c'était Ego System de Raphaël Calandro. Tu l'as vu? Ah oui, tous ces musiciens. Grande fête, tout de même. Week-end, du week-end, tout craché. Tu m'as compris? Bon, alors, les nommés pour le trophée du livret qui ressemble à du sont Garland le Martelot et Pamela Ravassar pour Courgette. Léna Bréban, Cléo Senia et Alexandre Zambo pour Musical Colette.
Alexis Pivot et Ariane Reynaud pour Norma. Rachel Arditi et Justine Heinemann pour Punk ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Zabou Bretman, ça me dit quelque chose, pour Zazie dans le métro. C'est moi, c'est toi? J'en ai une aussi. Bon, voilà. Et le trophée du livret est attribué à Garland le Martelot et Pamela Radassar pour Courgette. Beaucoup. En fait, on n'a rien préparé parce qu'on s'y attendait pas du tout. Mais c'est une très belle surprise. Merci. Je voudrais remercier toute mon équipe, mais surtout une personne qui s'appelle... Oh non, je vais être émue, fais chier. Qui s'appelle Isée le Martelot Ravassar et qui est notre fille. Et qui, grâce à qui on est là ce soir, surtout, parce que c'est elle qui nous a... qui m'a donné l'idée de... Oh, on fait chier. C'est elle qui, pendant le confinement, m'a donné l'idée d'adapter le roman de Gilles Paris. Je faisais une lecture par Zoom et elle a écouté, elle est venue me voir et elle m'a dit « Maman, tu devrais adapter ce roman parce que c'est des thèmes qui te sont chers. » Et t'en ferais quelque chose de magnifique. Donc je lui ai dit que c'était très gentil, mon chaton, mais que c'était pas facile d'avoir les droits d'un roman avec un tel succès. Et puis après, on allait prendre l'apéro avec Garland. Et puis le lendemain matin, au réveil, je me suis dit qu'elle avait une sacrément bonne idée. Et j'ai décidé d'adapter ce roman. Et l'idée de la musique m'est venue aussi tout de suite. Parce que je voulais pousser la résilience par la musique, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, je pense que vous savez de quoi on parle, et que l'art peut nous aider à penser nos mots, et que c'est important. Voilà, donc je voudrais dédier ce trophée à Isée. Te remercie infiniment. Et je pense qu'il faut toujours écouter nos enfants, parce qu'ils ont toujours des choses à nous dire, et que des fois leur douleur, ils les cachent dans des silences. Il faut écouter nos enfants absolument. Merci, merci infiniment pour ce très joli cadeau que vous nous faites. Travailler avec sa moitié et sur une idée de notre fille et avec la petite dernière à côté qui nous motivait et être là ce soir devant vous et recevoir ce trophée de la comédie musicale, c'est un immense honneur. Merci beaucoup. Et j'aimerais remercier toutes les fleurs sauvages qui sont venues voir ce spectacle, qui ont été touchées par cette histoire d'enfants qui ont besoin de recoudre leur cœur. Merci infiniment. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de Courgette qui porte si bien le texte que nous avons adapté. Merci. Dans la catégorie de la partition qui ressemble à du... sont nommés Emmanuel Jessua et Maurice Marius pour Le Bel Indifférent. David Dal Santo et Camille Feist pour La Fille Polaire. Valentin Santès pour Huis Clos, Théâtre Musical. Dovatia, François Chouquet, Paul École, Nazim Khaled, Duan Lafitte, Lon Espy, Yakov et Meir Salah pour Molière, le spectacle musical. Alexis Pivot pour Norma. Reinhard Dagner et Zabou Bretman
pour Zazie dans le métro. Et le trophée de la partition revient à... Dovatia, François Chouquet, Monicole, Nadine Calais, Joanne Lafitte, Lanxi, Jacob et Meir Salah pour Molière, spectacle musical. Bonsoir, alors Dove n'est pas là, il m'a dit ce matin, Nazim, c'est moi, Nazim, je ne pourrais pas être là, je suis aux toilettes depuis ce matin, j'ai la chance d'être nommé, si tu veux me remplacer, c'est avec plaisir. Donc on est là, on est très heureux, Dove il fait le pont entre de la pop, Molière qui c'est 1667 je crois, nous on fait beaucoup de chansons de pop, il a relié des juifs tunisiens, des algériens, des... Voilà, Dove, c'est la définition des ponts entre les gens. On doit remercier plein de gens, mais surtout les artistes qui portent ces chansons, qui en ont fait des tubes populaires, les gars. L'Académie. Meir et Yaakov, qui sont là aussi. Avec plaisir. Et qui d'autre ? Bah, Ladislas, toute l'équipe, hello, tout le monde, toute l'équipe de Molière. Et c'est en train de devenir un succès populaire, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Donc, merci à vous tous. Alors, pour notre deuxième nommé dans l'ultime catégorie, nous vous proposons un voyage à travers le temps avec Punkies, ou comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Ce spectacle est inspiré par l'histoire du groupe de punk féminin The Slits. Il est vibrant, féministe, et il vous plonge au cœur de la scène musicale des années 70. Alors je vous demande d'accueillir tout de suite Rachel Arditi, Charlotte Avias, Salomé Jenis Melien, James Bornish et Camille Timmerman et Kim Verschuren pour découvrir tout de suite un extrait de l'œuvre. Mais maman, et si j'avais pas de talent? Ah, le talent, ma chérie, tu sais, c'est 20% de l'affaire. Et le reste, c'est le travail? Non, ça, c'est juste 50%. Et les 30% qui restent? C'est toi. Et toi, tu dois devenir le soleil, sublime et aveuglant. C'est une vision de manager? Je te rappelle que je ne suis plus votre manager, tu m'as viré. T'es réengagé. Pour toujours. Me casse pas les couilles, putain! Bon, écoute-moi bien. Tu as 14 ans, alors tu me vois comme une demi-mère, incapable de cohérence mentale. Mais sache qu'avant de tout plaquer pour t'élever, espèce de petit épouvantail, j'ai assez vu le monde pour savoir qu'il existe 5 règles d'or pour devenir le soleil. Scheiße! Règle numéro 1. Écoutez, les Slits et toi tendrez l'oreille au monde pour comprendre ce dont il a besoin. Règle numéro 2, osez. Vous ne vous laisserez rien imposer et cultiverez votre singularité. Règle numéro 3, devenir irremplaçable. Vous ne serez pas la mode, vous serez la mode. Règle numéro 4, partir au combat. Vous vous engagerez corps et âme tout entière. Règle numéro 5, s'aimer malgré les coups, vous devrez vous protéger. Bonsoir les Folies Bergères, comment ça va ce soir? We are the Slits and we're here to punk the house down. Vous êtes chaud les Folies Bergères?
I bet you're wondering how I'm here, but your plans to make me blue. Pour remettre le prix du trophée du public, j'appelle deux coachs vocales les plus aimés de la télévision française, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff. Bonsoir. Attendez, je le mets à ma taille. Voilà. C'est mieux. Les comédies musicales ont ce pouvoir magique de créer un pont entre les générations. Elles touchent chaque cœur. Ah, plus gros bruit, hein, chez toi. Oui. Éveille chaque esprit et fait briller les yeux des petits comme des grands. In a world where everybody has wondered Marlène. Oh, oui. En français, je n'ai jamais rien capté à l'anglais. Donc, oh, bah oui, il ne fallait pas faire allemand LV1. Oui, bah, tu vois. Pas la seule. Et hein. Bah, dans un monde mieux où chacun cherche sa place, les comédies musicales enchantent tous les publics. C'était mieux, là ? Ah là, tu m'as eu, là. Ouais. Oh putain, je suis émue. Ouais, eh ben, sors les mouchoirs, j'ai pas fini. Ok, vas-y. Les spectacles réussis, hein, très important, monsieur. Voilà, transcendent les frontières et savent séduire chaque spectateur. Waouh ! Mm-hmm. Le théâtre musical est un art où chaque note et chaque geste résonne profondément en chacun de nous. Tu l'as déjà senti profondément, toi, Lucie ? Wow. Pas l'art, hein ? L'art. Les gestes, les notes, l'art. Ah, là, je le sens, là. Ouh, là, je le sens. Tu le sens, là ? Oh, je le sens bien, ouais. Mais, tu vois, en fin de compte, je me demande, finalement, celui qui fait le succès d'un spectacle, ne serait-il pas... Macintosh, oui, je sais. Alors, non.
Non. Bah si. Bah non, le public, puisqu'on présente le trophée du public. Hein. Le public, le coup, oui. Le public, voilà. Mais, je l'avais, hein. Attendez, voilà. Quoi et quoi. Et les nommés. Oui, bah quand même. Sont à tes lunettes. Bien sûr, bah les lentilles, parce que bon, à cet âge-là. Voilà, c'est ici. Oui, je les regarde, je l'ai en gros là. Ah oui, voilà, super. Ouais, bah, c'est long, hein. Oui, hey. Ça va. Ça va, vous. Pause pipi, non. C'est bon. Allez, Gabor et les chapeaux rouillés, s'il vous plaît. Holidays, le musical. In my 80s. Ou in my 80s. Molière, le spectacle musical. Musical, Colette. Et enfin, Zage. Tiens. Enveloppe. Allez, tiens, ouvre l'enveloppe. Elle a des gants, n'ouvre pas l'enveloppe. Eh ben non, non hein, voilà. Voilà. Allez, je vais le faire. Hein. Oui. Allez, mieux. Ah. Oh là là. Le et le gagnant est... Du public est remis à... Molière, le spectacle musical. Merci beaucoup. Merci eh ben, au public. Du coup, je crois que ce prix, je crois que c'est grâce au vote du public qu'on l'a. Hein. C'est bien ça, si je dis pas de conneries. Donc, merci beaucoup au public. On va d'abord remercier peut-être les producteurs qui ont financé tout ça et qui nous ont porté Play 2, TF1 et M6. Dovatia qui a l'initiative de ce projet. Quand on a commencé ce spectacle, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. On a dû annuler les 8 premières représentations parce qu'il n'y avait personne au Dôme de Paris. Et le public est venu petit à petit, de plus en plus nombreux, est venu très présent. Et il est très présent tous les soirs. On est en tournée actuellement, on était à Lille ce week-end. Il vient, il nous attend à la fin. C'est vraiment quelque chose de dingue qu'on vit. Et je crois que je peux dire que dans plusieurs années, quand on sera plus vieux, je serai vieux avant eux, je le sais, mais... je crois que quand on repensera à nos années Molière, on se dira waouh, quelle chance on a eu de vivre ça. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais juste citer deux noms, citer Nathalie Robin qui s'occupe des réseaux sociaux et c'est tellement important aujourd'hui pour promouvoir les spectacles, et citer Loïse Delhomme qui s'occupe de la presse pour ce spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Le trophée de la reprise. Oui, alors la reprise, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on reprend un show, un spectacle. Voilà. C'est un petit peu comme pour moi, quand je reviens après plusieurs années sur scène, on se dit, tiens, elle n'a pas pris une ride. On est content de me redécouvrir, enfin, de redécouvrir les spectacles qui sont restés au placard pendant quelques années et qui reviennent en pleine forme pour vous. Voilà, parce qu'on sait bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Alors, je vais au pupitre pour les annoncer. Les nommés du trophée de la reprise sont l'écume des jours. Le jour où je suis devenue chanteuse black. Mamma Mia. Spamalot. Et le voyage de Gulliver. Alors... Le gagnant est
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Deux spectacles nominés dans la même catégorie, c'est toujours difficile. On avait eu le même choix, la même difficulté aux Molières. Ça avait basculé de l'autre côté. Spamelot, que je salue, ils sont là aussi. Bah, ce soir, c'est ma mia, c'est mérité. C'est un grand bonheur, ça fait bientôt 20 ans. Dans les prochaines, on fêtera les 20 ans de stage. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir produire ces grands spectacles. Effectivement, ma mia n'a pas pris une ride. Je pense que vous le voyez, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont... Nantes. Ce spectacle est une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air pur, d'énergie positive. Je pense que ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Je pense que ça a été un bonheur de travailler avec eux. Ils ont répondu aux défis qu'on leur a lancés. Et merci à Encore Production qui a coproduit avec nous, donc Fimalac. Et merci aussi au Casino de Paris. Je crois que Frédéric Jérôme est là, puisqu'il est aussi propriétaire de ce beau théâtre. Donc merci de nous avoir accueillis. C'est pas facile d'accueillir une comédie musicale, surtout avec autant de personnes. Je voudrais aussi féliciter et remercier toutes les équipes techniques, parce qu'on les voit pas. Pas souvent, mais ils sont là. Et je n'oublierai pas aussi les musiciens. Alors, il y en a certains là, ils sont derrière aussi, mais il faut les applaudir. Avec Monsieur Philippe Guadin, qui est directeur musical. Laura Ben-Simon, metteur en scène. Claire, qui a animé toute cette belle équipe. Et je voudrais mettre quelqu'un à l'honneur ce soir. Je suis désolé, j'en terminerai par ici, parce que, comme je vous l'ai dit, Stage a fait 20 ans. Et dans quelques mois, une personne qui a œuvré pour la production de ce spectacle va partir à la retraite. Alors je voudrais le mettre à la lumière ce soir, Monsieur Éric Lousteau. Et juste à l'heure où on parle beaucoup d'extrêmes, je vous demanderai simplement d'être extrême dans vos passions, dans votre émotion et dans toute la créativité que vous mettez sur scène. Merci beaucoup. Voilà, c'est formidable tous ces sourires. Pour notre quatrième nommé dans la catégorie comédie musicale, redécouvrons le génie de Molière comme jamais auparavant. Avec Molière, le spectacle musical. Plongé en 1642, où Jean-Baptiste Poquelin, à 20 ans, renonce au son confort et au prestige pour poursuivre sa passion théâtrale avec la femme qu'il aime. Suivez son parcours extraordinaire, affrontant les obstacles et l'adversité pour révolutionner la comédie. Je vous demande d'applaudir Petit Homme, Vaik, Abby, Shaina, Morgane et Lou. Leur fin justifie les mensonges. Ils fredonnent dans de beaux discours l'hymne à l'amour en reluquant mes contours. Je suis pas toujours sentimentale, je deviens animal dès que l'on me fait mal. Ni femme objet, ni femme fatale, je suis une femme létale, une tueuse de mal. Moi je veux tout donner si je veux, tout donner quand je veux, me donner sans aucun remords.
Moi je veux tout donner si je veux. Tout donner quand je veux. Me donner sans aucun effort. C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines. Moi je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux. Je sais que c'est pas joli, mais moi non plus je suis pas beau. Je m'en fous si vous me détestez. Personne jamais ne m'aimera moins que moi. J'ai tout raté, je l'atteste. Mais il me reste ce que vous ne voyez pas. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence à le regard qui tue la larme et la manière à. Regardez-moi, oui, mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire. Mais ça sonne faux. Pas ma faute, ma faute. Si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde. Je n'ai pas la bonne attitude. Je ne suis pas faite pour ce monde. Oui, rêver j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Les autres, ils ont dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute, pas faute de tout faire comme eux, mais n'est pas toujours heureux celui. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Mais j'en ai l'habitude. Du second rôle masculin et féminin, j'invite à venir me rejoindre Sophia Muntasir et Adrien Fury. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, on s'installe. Tout à fait. C'est toute une organisation, chérie. Vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Super. On peut commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer les héros méconnus du théâtre, les second rôles.
parfois. Bah, vole carrément la vedette, hein. Ouais, nous sommes comme vous. Ceux qui, avec un seul regard ou une seule réplique, font flipper tous les premiers rôles. Ah, petit avertissement aux futurs lauréats. C'est un pouvoir immense que nous avons. Qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Ne laissez pas votre lumière éblouir totalement. Au point de faire complètement oublier le personnage principal. Je me sens responsable, là. De? Bah... Ah! Moi aussi. Alors, dans la catégorie du second rôle féminin, sont nommées Rachel Arditi. Dans Punk, ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres, la merveilleuse Christine Bonnard. Dans Mamma Mia, Dalien Constantin. Dans Woman of the Year, Marion Posta. Dans Mamma Mia, Lauren Van Kampen. Dans Spamlot. Et toute une organisation, la gagnante du trophée du second rôle féminin, j'en étais sûre, est attribuée à Marion Posta. Oh là là. Je suis très émotionnée. Je vais mettre juste les mains dans les poches, genre c'est cool. Mais non, en fait, ouais, merci, merci. Quelle jolie reconnaissance là. J'avais quand même pris un papier, mais je me suis dit que comme j'avais pas pris mes lunettes. Non, mais j'y vois très bien, mais il n'y a pas assez de lumière en fait. Voilà, non, c'était juste pour vous dire que je suis très, 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 très honorée, d'autant que je suis, j'ai une grande admiration pour mes partenaires qui étaient dans ma catégorie, et je les embrasse toutes, je vous embrasse fort, ma Christine Bonnard, hein, mon incontournable, mon binôme dans Mamma Mia, ça a été formidable, ma tribu des cheveux brisés. Voilà, je suis très heureuse. Tania et moi, c'est une grande aventure parce que je l'avais déjà joué il y a 13 ans au Théâtre Mogador. J'étais petite, hein. J'étais petite. Et avec cette édition 2024, c'est un rôle que j'aurais joué un petit peu 802 fois. Et on est un petit peu, c'est devenu mon autre. Et alors, bah, évidemment, je voudrais remercier toute mon équipe de Mamma Mia, qui a été une équipe exceptionnelle. Merci à vous, vous avez été extraordinaire. Merci évidemment à Paul Garrington, le metteur en scène, qui m'a donné cette chance de recommencer, de redécouvrir ce personnage 13 ans plus tard. C'est vraiment un cadeau. Merci à Stage, Laurent Bentata, je t'adore. Pas toujours, mais voilà. Je remercie les trophées de me permettre d'être ici, là, en cette... Oui, oui, je suis toute émue, je tremble, c'est terrible, j'ai 4 ans. Merci, merci de me mettre le palpitant à 150. Je remercie mon mari sans qui j'aurais pas mangé pendant 8 mois. Et parce que c'était très intense. Et il m'a soutenue, c'est un homme extraordinaire, merci pour ta bienveillance, ton amour. Tu me connais par cœur et tu m'aimes quand même, tu es complètement fou. Merci à toi. Et... Et merci parce que ça me donne à penser quand même que les femmes de ma condition... On est toujours vivantes.
On est toujours là. Encore des choses à dire, des choses et parfois encore plus qu'avant et encore mieux qu'avant. Et on peut nous montrer sans faire peur aux enfants. Ça va, ça va. Et merci, merci encore. Et comme dirait Tania, parce que là je vais lui donner la parole. Merci France! On continue. Je récupère mon micro. Voilà. Dans la catégorie du second rôle masculin, sont nommés Quentin Gibelin dans Woman of the Year, Johan Launay dans Le Soldat Rose, celui qu'on ne présente plus, Fabien Richard dans Mamma Mia, Gilles Vajou dans Zazie dans le métro, Vincent Viotti dans Courgette, le gagnant du second rôle masculin, je pense que je vais galérer, ah non, oh non, facile, je vais monter un peu le suspense. Johan Launay dans Le Soldat Rose. Alors, hop là, c'est le moment où on se dit j'aurais dû préparer un truc quand même. Merci beaucoup, je suis très ému, je suis très content, il faut le dire. Le Soldat Rose, pour moi, c'était un rêve de mioche qui s'est réalisé. C'était mes deux chansons préférées. Et je tiens déjà à remercier Julien Aluguette, le metteur en scène, de m'avoir fait confiance. Merci. Merci évidemment à cette troupe de maboules que j'aime par-dessus tout. Vous êtes les meilleurs. Merci à toutes les équipes techniques, à toutes les équipes aussi. Tout à l'heure dans l'émotion, on a oublié de remercier Audrey et Sylvain pour les costumes et les coiffures qu'on peut applaudir bien fort. Et voilà, je vous laisse tranquille, je suis très très content. Merci beaucoup, merci les trophées, merci à tous. Merci. Alors, ne serait-ce pas le moment de se dire et de rappeler que le véritable trésor se trouve dans les moments partagés. Absolument. Je me suis trompée. Ah, j'étais motivée. Je dis rien, c'est une surprise, voilà. Et je m'éclipse discrètement et honteusement. Pour remettre le trophée de la chorégraphie, Cécile Chaduteau et son partenaire, Yann Alric Mortreuil. I love you so, hey, that's what you say. You told me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never.
Bonsoir à tous. En fait, on veut faire un jive avec des talons. Ça n'a aucun sens. Ah ouais. Mais du coup, elle a fait un jive avec les talons. Oh. La chorégraphie, c'est un langage universel. Les chorégraphes tracent des lignes et des formes dans l'espace, tissant ainsi ce lien invisible entre les danseuses, les danseurs et le public. Ouais. Les corps deviennent des instruments expressifs au service de la passion, évidemment pour transmettre des émotions. Ce trophée rend hommage à ces créateurs qui nous transportent dans un voyage captivant à travers leurs mouvements, laissant ainsi le public s'émerveiller par leur vision artistique. Je crois qu'on n'a jamais aussi bien parlé. Vaut mieux qu'on danse encore, ça dépend. Et on reprend notre souffle aussi. Ouais, carrément. Donc, les nommés pour le trophée de la chorégraphie 2024 sont Ghislaine Lefebvre pour Le Bel Indifférent, Raphaël Lucania pour In My 80s, Romain Herbé pour Molière, le spectacle musical, et Kamel Wally pour Mon Premier Cabaret. Alors, c'est vrai que c'est très collé ce truc. Donc, le trophée de la comédie musicale, du chorégraphe de 2024 est Romain Herbé. Merci beaucoup. Je suis très, très honoré, très touché de recevoir à nouveau ce trophée, qui pour moi est assez différent du précédent, parce que la première fois c'était dans ma bulle et que cette fois-ci je me suis mis au service de la bulle de quelqu'un d'autre, ce qui était vraiment une expérience extrêmement riche et différente. Et je voudrais remercier Ladislas et sa bulle, et Dove et sa bulle, de m'avoir fait confiance. Merci à tous les deux. Et puis enfin, je voudrais remercier Geoffrey, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a assisté et qui a fait un travail phénoménal. Voilà, donc merci à toute l'équipe de Molière, merci à vous, je suis très heureux, très ému, merci beaucoup. De ne pas les voir. Donc je reprends. Ne serait-ce pas le moment de rappeler vous êtes très indulgent, merci. De rappeler que le véritable trésor, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est pas mal. C'est Guillaume. Donc ne serait-ce pas le moment de rappeler, c'est presque un alexandrin, de rappeler que le véritable trésor se trouve dans les moments partagés, comme ce soir, dans les petits gestes d'amour et dans les liens tissés malgré les épreuves. Alors ces moments, nous pouvons les retrouver dans les 525 600 minutes qui forment une année.
au trophée de la mise en scène. Et pour ce trophée, j'appelle... Pardon ? Vous voulez venir avec moi ? Il y a des fraises tagada en coulisses, c'est pour ça que on est un peu distrait parfois. Alors, donc j'en étais à... Voilà, eh bien j'appelle David Eguren. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil. Alors imaginez des grands chefs choisissant avec soin leurs ingrédients, des artistes pour la texture, des techniciens et des techniciennes pour la température, des producteurs et des productrices pour la juste température, et chaque talent est un ingrédient. C'est un ingrédient essentiel. Et j'ai envie de dire, moi j'ai une grande passion pour le spectacle musical, voilà pourquoi je suis ici ce soir, et pour la cuisine. Et j'ai envie de dire, j'aime beaucoup mettre en parallèle ces deux passions, parce que créer un spectacle, c'est un petit peu comme créer une recette. C'est un petit peu comme dans une brigade, on va travailler ensemble pour créer une recette. Et ben, dans un spectacle, c'est la même chose. On va mettre tous les talents ensemble, production, les talents artistiques, les talents techniques, tous ensemble vont se mettre ensemble pour travailler à créer un spectacle unique, car chaque spectacle doit être absolument unique. Et ces trois forces doivent se mettre ensemble, la main dans la main, travailler ensemble pour créer le spectacle et pour faire en sorte que le spectacle dure. Si une force se sent au-dessus de l'autre, ça ne marche plus. Le travail du metteur en scène, c'est effectivement de donner la saveur à chacun de ces ingrédients pour que l'harmonie et que la magie du spectacle fonctionne. Ce soir, dans les nommés pour la mise en scène du spectacle musical, nous avons l'honneur d'avoir Pamela Ravassar pour Courgette. Dominique Guillot pour Hedwig and the Angry Inch. Ladislas Chola pour Molière, le spectacle musical. Léna Bréban pour Musical Colette. Justine Heinemann pour punk.e.s. Ou comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Alors attention, j'ouvre pour savoir qui est le lauréat de cette année. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup de nommés féminins, et tant mieux. Un petit clin d'œil à Johanna. Eh bien, cette année, le trophée de la mise en scène est attribué à Pamela Ravassar pour Courgette. J'ai toujours rien préparé. Je vais rebondir sur ce que disait David. Moi aussi, j'aime beaucoup la cuisine. Et pour faire un bon plat, il faut de très bons ingrédients. Et j'ai eu la chance d'avoir des très bons ingrédients pour cette mise en scène. Mes cinq comédiens formidables, Vanessa Cayol, Garlane Le Martelot, Lola Roskis-Gingembre, Florian Chocard et Vincent Viotti. Sans vous, j'aurais pas pu... Et je me suis rendu compte dernièrement que ce qui me plaisait dans la mise en scène, c'était la direction d'acteurs notamment, et c'était de pouvoir révéler l'humanité qui est en chacun de nous. Et je trouve qu'en ce moment, l'humanité, elle manque un petit peu. Et je trouve ça essentiel. Et il faut continuer de créer et de se battre pour nos idées. Et on en a vraiment besoin en ce moment. Donc voilà. Et je voudrais aussi remercier tous mes collaborateurs, Frédéric Minière, Cyril Manetta, Anouk Mougin, Anna Siodine et toute mon équipe technique, Clément, Pierre, Nathan, Sereine
et voilà, et tous les gens qui m'ont accompagnée dans cette aventure, Pascal bien sûr, et aussi Béatrice qui sont venues en chemin, et le théâtre d'Auxerre et le théâtre de Beaune, merci, merci, merci infiniment. C'est tout. Je ferai pas de numéro de claquette ce soir, ça sera l'année prochaine. Merci. Pour remettre le trophée des révélations de l'année, vous êtes chaud bouillant. On va vous laisser des fraises Tagada, ne vous inquiétez pas. Alors, pour remettre ce trophée, j'appelle Nevedia et Alex Montambeau. Bonsoir. Bonsoir. Nous arrivons à un moment particulièrement spécial de notre soirée. Tout à fait. C'est pour cela que je prends une voix sensuelle. Dalida. Non ? En effet, les trophées des révélations masculines et féminines célèbrent les talents émergents qui ont su faire preuve d'un potentiel remarquable. Écoute-moi bien, petite. Alex, c'est notre dernier moment devant tout le milieu, donc je mets le paquet. Ok, on reprend. On reprend. Les nommés dans la catégorie révélation masculine sont Basile Alaï Malaïs dans Spamalot, Merwan Ben Mansour dans Le Soldat Rose, Florian Chocard dans Courgette, Tristan Garnier dans Jonas au grenier, Petit Tom dans Molière, le spectacle musical. Et le lauréat de cette année est... Tu fais quoi ? Isabelle Huppert. Ah ouais. Ok, Nevedia, le nom ? Ah ! Petit homme ! C'est comme jamais j'aurais pu imaginer, il y a le stress, il y a l'excitation, il y a tout. Je vais commencer par dire, en fait je vais le dire directement, je suis québécois, donc l'accent ça se peut qu'il... comme ça pendant le discours. Je vais commencer par dire, j'ai pas trop préparé de trucs, mais j'ai l'impression que quand on rentre dans un projet comme ça, on pense qu'au travail, à rendre honneur au spectacle, à rendre honneur à notre équipe, et on pense pas aux récompenses, on pense pas un jour être récompensé un truc, mais on pense qu'à, on rentre dans un tunnel et on fonce avec passion, avec l'équipe qu'on a. Donc premièrement, merci pour cette cérémonie de pouvoir avoir un moment qu'on célèbre les petits moments comme ça avec tout le monde. Voilà, je commence par ça. Ensuite, ça fait un an que j'habite en France et j'avais une pression énorme d'incarner notre cher grand Molière. En tant que Québécois, on n'a pas la même école que vous ici en France, donc il y avait cette pression que je voulais... vraiment, en fait, j'ai utilisé la pression pour bien faire le taf et tout, mais j'ai
principalement eu une équipe de feu, une cohésion de tonnerre qui fait qu'on ne gagne jamais un prix tout seul. C'est toujours un truc d'équipe. Et j'aimerais remercier premièrement Dovatia, qui n'est pas là aujourd'hui, le créateur. Ladislas Chota, le Chola, le metteur en scène avec qui on parlait tout à l'heure des metteurs en scène. C'est toi qui crée cette énergie sur une scène. Et tu m'as permis d'aller au plus profond de mon être, aller chercher qui j'étais vraiment à travers ce personnage-là. Et j'en ai pleuré, on en a pleuré en répétition, j'en ai pleuré à la maison. C'était magnifique. Et merci à tous les autres. Je ne vois pas tous en haut l'équipe au complet. Allez! C'est vraiment un truc d'équipe. Et un prix, on le gagne. Un prix, on le gagne jamais tout seul. Donc c'est pour toute l'équipe, tous les fans qui sont là aussi aujourd'hui de Molière. Merci beaucoup. Merci. Et merci la cérémonie. Merci beaucoup. La catégorie révélation féminine sont Charlotte Avias dans Punk ou Comment nous ne sommes pas devenus célèbres, Antea Chauvière dans Hedwig and the Angry Inch, Alexandra Dattmann pour Zazie dans le métro, Lucie Fourmont dans Winnie et le coffre aux merveilles et Shaina Pronzola pour Modern Spectacle Musical. Et la gagnante de cette année est... Shaina Pronzola. J'ai rentabilisé la robe ce soir, merci Naomi. Sauter d'une passerelle et tomber dans les bras de plein d'hommes, ça j'y arrive. Chanter devant des milliers de personnes, j'y arrive, mais alors faire des discours, c'est vraiment pas mon truc. Je suis très stressée. Merci beaucoup Dove, Ladislas, d'avoir cru en moi dès le début et de m'avoir fait confiance pour ce rôle de marquise que je suis tellement fière d'interpréter. Vraiment. Merci à tous mes camarades, collègues et surtout maintenant amis qui m'accompagnent sur scène et avec qui, enfin sans qui cette aventure ne serait pas la même. Merci pour votre bienveillance, votre amour et tout votre soutien dans les moments où des fois on a des doutes, où on n'est pas bien. Je sais que c'est vraiment cette équipe qui fait que cette aventure est vraiment magique. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous soutiennent qui étaient là à Paris, qui nous soutiennent sur les routes, partout. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci infiniment à mes parents d'avoir toujours cru d'avoir toujours cru en moi, parce que leur annoncer à 5 ans qu'on veut être chanteuse, je pense que ça fait un peu flipper, encore plus quand je leur demande d'arrêter l'école pour faire ce métier sans passer le bac, etc. Merci d'avoir cru en moi, merci de votre confiance et de votre amour sans faille. Merci infiniment. Et à mes frères et sœurs aussi de m'avoir toujours soutenu, même quand je leur demandais de faire des spectacles, quitte à leur mettre des petits tutus sur le dos. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et puis un grand merci à moi-même de m'avoir toujours écouté, de m'avoir fait confiance. Voilà, merci. Ce trophée, quand je le regarderai, je penserai à toutes ces personnes, à vous tous, et surtout à l'amour du métier qui, j'espère, ne me quittera jamais. Merci beaucoup. Catégorie comédie musicale, préparez-vous à entrer dans l'univers passionnant de Norma. Une pièce où l'humour et la ruse se croisent. Norma, autrefois, il y a des décors, hein, c'est... Pardon, je gêne.
C'est bon, je peux en placer une? Parce que j'ai un texte, il faut que je le lise. Donc je continue. Norma, autrefois la reine des orphelins, a tout appris à son clan, lire, écrire et même voler. Ensemble, ils prenaient aux riches pour donner aux pauvres. Mais aujourd'hui, réunis pour son enterrement, les orphelins adultes font face à son dernier coup de maître, de lourdes dettes et un défi. Un milliardaire est en chemin et ils n'ont que 15 minutes pour orchestrer l'arnaque du siècle. Je me lance. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pardonnez-nous de venir assombrir votre soirée. Adieu. Pour honorer celle sans qui nous ne serions rien. Nous, les orphelins, te disons. Quelqu'un. Norma. Femme exceptionnelle. Vois comme la lune étincelle ce soir pour toi. Les orphelins perdent de vous des heures. Vous avez monté bijoux, les gars, on a retourné les fous. Libertaire, vous étiez de sa tirade, vous étiez molière pour pas cher. Ah, mais qu'est-ce que
Coco. Il n'est pas venu. Il est où, Francis Huster? Il arrive, Norma. Il est aux toilettes. Oui, il est resté coincé. Dans le bar d'en face, Norma. Au Sardiniac. Problème de prostate. Vous me racontez quoi, là? Non, alors, bon, Norma. Nous te devons des explications. Par les sentiments. Bon, allez, on recrute, on leur explique comment ça se passe. Roméo, tu remets tout le monde en place, c'est fort ça! Ok, vous avez entendu les orphelins, on se remet en place. Toi, tu reprends ton discours, on se met en formation 4-4-2. Allez! Ce soir. Un soir, le clan vous appellera. Soyez prête. Tout va bien? Alors, pour remettre maintenant le trophée de l'interprète masculin, j'appelle Vincent Gilieron, lauréat de l'année dernière. J'ai préparé un discours, du coup. J'ai beaucoup de remerciements à faire. C'est Odile. Excuse-moi, Vincent, je crois qu'on s'est mal compris. Bon. Tu remets un prix, là. J'ai pas gagné? Bah non, t'es pas nommé du tout, non? Ah bah, donc ça me sert à rien, ça? Bah, tu peux t'en inspirer, bon. Oui, est-ce que vous avez envie d'entendre son discours? Non, mais... Sandrine, j'ai rien préparé pour la... T'as rien... T'as pas reçu le mail? Quel mail? Bah, il y a un mail écrit avec les nommés, les... Ce que je dois dire? Tout ce que tu dois dire. Attends, ouais. Tout est écrit? Ah bah oui, tout ce oui, oui. Depuis le début, c'est écrit, là. Bah, tu vois bien, moi, je crois. Ah ouais? Moi, je travaille ce soir. Hein, C'est pas tété, hein. Non, bah, ouais. Pas... Ouais. Et je remets quoi, moi, comme prix? Alors, tu remets le prix d'interprète masculin. Ah! Ok, logique. Bah oui. Bah, du coup, je me lance sans texte, quoi.
J'y vais. Bah tu y vas, voilà. Ok, bah, ok, ok. Ok. J'y vais, je viens. Un interprète masculin, c'est... Non, les... C'est un interprète, déjà, voilà. Masculin, qui plus est... Mais masculin. Masculin, ça veut dire quoi, masculin? Parce qu'on tu est lis pas... les nommés, Vincent. Ça sera mieux, hein? Ça va aller plus vite. Sur les cartes. Donc là, je lis les nommés. Voilà. Les nommés pour le trophée de l'artiste-interprète masculin sont... Brice Hilleray pour Hedwig and the Angry Inn. Garlan, le martelot pour Courgette. Jacques Verzier pour Woman of the Year. Et Franck Vincent pour Zazie dans le métro. Voilà, et maintenant tu ouvres l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Trop bien. Attends, j'ouvre l'enveloppe. Calmement, calmement. Ça va bien se passer. Ok, très bien. Et l'interprète masculin est... Brice Hilleray pour Hedwig and the Angry Inn. Infiniment, merci tout le monde. Je m'y attendais pas. Merci. On se connaît pas beaucoup, vous et moi. Je suis très très ému d'être là ce soir. Merci au trophée. Merci à vous tous d'être venus au rendez-vous d'Hedwig. Merci de tous vos messages. Merci de vos bonjours après le show. Ça fait beaucoup de bien. Dominique Guillot, qui est le metteur en scène d'Hedwig, on s'est rencontrés, Dominique et moi, tu es où, je te vois? Ah oui, tu es là, tout vert. Dom, on s'est rencontrés il y a plusieurs années sur un plateau de tournage, tu m'avais engagé pour la télévision, et j'oublierai jamais que au moment de la toute première prise, de la toute première séquence, tu m'as dit quelque chose du genre... Ok Brice, la petite série là on se la met dans la boîte, mais surtout on va faire des grandes choses tous les deux. Alors je te remercie, je sais pas exactement ce que tu avais en tête à ce moment là mais tu as posé une sorte de graine entre nous et tu as tenu parole, merci infiniment. Je remercie tous mes partenaires extraordinaires, merci à Antea Chauvière, à Lucie Vendremer, à Antonin Auloube, à Louis Buisset. Je suis tombé complètement fou, amoureux de vous à la seconde où je vous ai rencontré. Merci de toute la bienveillance dans vos regards à chaque instant. Mon cher Raphaël Sanchez, mon partenaire, mon directeur musical, mon petit chouchou, merci de la douceur avec laquelle tu m'as accompagné du début à la fin, dans toutes les phases de doute. Et on en a eu des moments de doute, on en a, c'est moteur, on en a besoin. Et puis parfois, on a peur de tomber un peu dans les profondeurs des doutes. Et tu étais là toujours, Raphaël, pour me rattraper. Merci infiniment pour ça. Pardon, je voudrais essayer de n'oublier personne. Je voudrais remercier Oscar Prod d'avoir cru au spectacle en même temps que nous quand on est allé les voir avec Dominique, et merci d'avoir été souvent très élégant avec nous. Merci ensuite à Mélanie et Frédéric Biessy à La Scala de continuer la route avec nous, on est très chanceux. Merci enfin pour finir à toi Pierre-Élie d'y avoir cru bien avant moi. Merci infiniment, à très bientôt. Maintenant, veuillez accueillir Claire Perrault pour remettre le prix suivant. Ah oui. Ça me rappelle la boule à facettes. J'aime pas.
Je suis un peu rouillée. Alors, attends. Voilà, là, ça va vachement mieux. Brice, je suis super contente que ce soit toi qui aies gagné. Marion, les copains, je vois rien du tout d'ici, mais alors tout à l'heure, j'étais placée là. Et c'est super chouette d'être ici. J'ai le trac, c'est horrible. Alors, attends, je sors mes papiers. Non, ça va. Alors... Non, ça fait... C'est un peu impressionnant parce que... Donc, il y a presque 20 ans, une poignée d'artistes faisait vibrer ce plateau. Attends, j'ai la bouche sèche si je... Pardon. Tu veux de l'eau? Tu veux qu'on t'apporte? Faisait vibrer ce plateau, je vais y arriver, avec un spectacle musical nommé Cabaret. Excuse-moi. Claire, excuse-moi. Non, en fait, ça n'est pas du tout un spectacle musical, ah bon Claire. Ben non, absolument pas, non. C'est pas un... François, c'est... Non, c'est pas un spectacle bah, musical. Pas, attends, deux secondes. Bon, alors, je reprends. Alors, vous êtes toujours aussi chaud. Alors, il y a bientôt 20 ans, c'est peut-être pour ça, des artistes faisaient vibrer ce plateau avec une pièce de théâtre musicale. Non, 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 toujours pas, toujours pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce... Bon. Bah non, c'est une comédie musicale. Bah oui, mais non, mais moi je pense que c'est pas une comédie musicale parce que notre metteur en scène, et puis de toute façon c'est ce que j'ai noté, et puis ils ont validé. Oui. Non, mais ils ont validé. Après, Christopher, je t'avais dit, c'est un gros risque hein, de m'engager. Spectacle, hein, tu sais. Comédie, c'est connu. C'est vrai, alors c'est oui, c'était. oui, non, ils disaient que c'était une pièce de théâtre avec des chansons. Mais si, je t'assure. Il dit, merci. T'es devenu complètement mieux. Non, attends, il disait que c'était un musical. Non, mais tu sais, non, mais moi, après la claque qu'on s'est prise hier soir aux Européennes, moi, non, mais j'ai complètement perdu la boule. Moi, et puis alors les stress. Ouais, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les stress post-traumatiques quand tu te fais agresser, tout ça aussi, c'est pas top. Voilà, petit bisou à des gens ici. Alors, non, mais j'ai un peu la mémoire qui flanche, mais je crois que les mots, c'est important quand même. Oui, non, oui, j'ai oublié de dire ça. Oui, mais les mots sont importants, Claire. Voilà, on n'a pas du tout répété. Non, oui, c'est vrai, les mots, c'est important. C'est très important, mais les oui, mots. C'est très important parce que nous, les acteurs, bah, voilà, on est les défenseurs des mots. Mais c'est quoi la différence entre un spectacle musical et... Bah, je sais pas. Mais parce que moi, quand on m'a engagée, j'ai pas bien compris. Bah, je sais pas. C'est bah, en tout cas, Cabaret, c'est une comédie musicale. Mais c'est différent, alors. C'est différent, mais c'est très bien parce que justement, il y a une grosse thématique apparemment ce soir. C'est la différence. Et ben bah, moi, je trouve ça super, la différence. Hein. Mais comment tu enchaînes, Claire? On en parle depuis tout à l'heure de cette différence, c'est quand même incroyable. Mais non, mais cette catégorie-là du spectacle musical, elle est menée par des chanteuses incroyables, des musiciennes incroyables, des claquettistes, des danseuses, des actrices. Oui, je ne parle qu'au féminin, merci beaucoup David. On rit, on pleure, on s'étonne, on se bouscule et ça, c'est important. J'ai l'impression d'être très importante aussi, c'est incroyable ce truc. Tu m'étonnes qu'ils perdent la tête là-haut. Alors... Ladislas, t'inquiète pas. Alors, à dire vrai, peu importe si je perds la boule, si je comprends rien, si j'ai envie de chialer, on va voir tous, vous voyons tous là ce soir, parce que s'il y a des merveilleux spectacles qui sont nommés spectacles musicaux et pas ainsi, et ben c'est parce qu'au même titre que l'opérette, la comédie musicale, le musical, on doit célébrer quoi? On doit célébrer la singularité. Voilà, il n'y a que la beauté de l'art qui compte. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous les artistes, on doit faire la paix, je vous en supplie, faire la paix, se rassembler, se battre pour faire péter les clivages, ok? Ok! Voilà! On est arrivé! On l'a fait notre sketch, Claire. Alors? Mais tu peux lire les nommés maintenant. Oui, je vais lire les nommés. Tu veux les lire avec moi? Oh, bah on si partage. Tu veux. Tu me laisses pas les noms difficiles à dire. Tiens, tu dis le deuxième, toi. D'accord, vas-y. Alors, Cookie! Voilà. Ok. Ah merde, ça veut dire que j'y suis là, moi. On le dira toutes D'accord, les deux. D'accord, on dira toutes les deux. Très bien. Le deuxième. Hedwig and the Angry Inch. Bien, tu le dis très bien, tu le dis très bien. Jonas au grenier. Musical Colette. À ceux qui se ratent. À ceux qui se ratent, voilà.
qui dit le gagnant aussi. Ah oui, c'est toi. Ah là 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 là. J'ai plus l'habitude. C'est vachement impressionnant. Hein. Alors, le spectacle musical est attribué à Hedwig and the Angry. Merci. Alors, je vous promets que c'est pas du tout hypocrite ce que je vais faire, ce que je vais vous demander, parce que j'ai quel âge j'ai, bon. Et ben c'est la première fois que je me retrouve récompensé, même nominé. Donc c'est une première pour moi. Si vous pouviez m'encourager un tout petit peu pour me rappeler que c'est pas faux. Vraiment, c'est pas. Je vous assure que c'est sincère. Hein. Alors, j'ai toujours rêvé ce petit geste. Il n'y a rien. Alors, il n'y a rien parce que, vraiment, alors je vais faire très court, je vous promets. J'aimerais en profiter pourtant, oh la vache. Mais non. D'abord, bon, il y a eu plusieurs nominations sur ce spectacle, donc merci infiniment de cette reconnaissance de cette œuvre. Je parle vraiment de cette œuvre comme je parlerais vraiment d'un grand opéra qu'on a monté, qui est Hedwig and the Angry Inch, qui est une œuvre que je vous conseille de découvrir, même si vous venez pas le voir chez nous à la Scala bientôt. Eh bien, voyez le film, et je pense que ça vous donnera envie de venir voir ces acteurs extraordinaires qui vous emportent très loin. Et en effet, ben, toutes ces nominations, il y en a qu'on a eu, qu'on n'a pas eu, et je pense que celle-là est la plus importante, parce que c'est celle du spectacle. Et je suis vraiment très heureux pour Brice, qui est un acteur rarissime, mais ce spectacle, j'aurais été gêné d'avoir mise en scène, je vous jure franchement, parce que je ne me suis pas senti tout seul dans mon coin à faire une mise en scène. J'ai vraiment travaillé avec eux, j'ai vraiment travaillé porté par l'œuvre, comme je ne pourrais, je pense, jamais pu le retrouver, sauf si je monte un Verdi, je pense, très honnêtement. Donc c'est l'œuvre qui nous a porté tous jusqu'ici. Je vous en remercie énormément. Je vous conseille vraiment, très très sincèrement, très sincèrement, de découvrir l'œuvre, une fois de plus, comme vous voulez, de Hedwig and the Angry Inch. Ça a changé ma vie, vraiment. Je sais que ça a changé beaucoup de la leur. Je remercie au passage Grégory Jupin qui est assistant de mise en scène et qui est une merveille. Petite parenthèse aussi, j'ai eu beaucoup de chance que ce premier prix que je reçois dans toute ma carrière soit remis par cette bombe de scène qui est Claire. Je suis très touché. Et enfin, pour finir, comme vous le voyez, je ne dis pas de merci, franchement pas. D'abord parce que écrire ça à l'avance, ça voudrait dire qu'on se met dans une condition cet après-midi que je l'ai. Donc j'écris ce que je pense, mais je ne l'ai pas cet après-midi. Donc je ne peux pas être dans l'état d'esprit réel, sincère, de ce que je pense. Ce que je pense, c'est maintenant, et je n'ai pas de mots. Voilà. J'ai juste le plaisir fou d'être là et que vous nous ayez renvoyé quelque chose qu'ils ont fait. Et je ne peux pas dire les merci, je leur ai dit, ils le savent tous, je n'ai pas besoin de le rendre public. Par contre, moi, je suis persuadé d'une chose, et vous allez voir, ce n'est pas préparé du tout, je suis sûr que ça marche. Par contre, c'est eux ici qui vous disent tous... Merci. Alors, toi, je te garde. Toi, je te garde, toi, je te garde, et toi... Merci, par contre, je vous garde tous, hein, sérieusement. Merci beaucoup. Nous arrivons au cinquième nommé dans la catégorie comédie musicale. Laissez-vous emporter par l'univers pétillant et coloré de Zazie dans le métro. Rejoignez Zazie, la fillette intrépide imaginée par Raymond Queneau, alors qu'elle débarque à Paris avec un rêve simple, emprunter le métro. Mais lorsque les travailleurs se mettent en grève, sa quête devient une aventure pleine de surprises et de rencontres mémorables. Guidée par son oncle Gabriel à Pigalle, Zazie sillonne un Paris des années 1960 qui prend vie à travers une musique variée et des échappées dansées et chantées. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir tout de suite Alexandra Dattmann et Franck Vincent.
L'être ou le néant, voilà le problème. Monter, descendre, aller, venir. Tant fait l'homme qu'à la fin, il disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte, la tournée prend garde, dit le Panthéon. Paris n'est qu'un songe, Gabriel un rêve. Zazie, le songe d'un rêve. Ou d'un cauchemar. Et toute cette histoire, le songe d'un songe. Le rêve d'un rêvé. À peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier. Mais voir la tour qui rouille, le triomphe affaibli. Panthéon fendillé qui se pare de gris. Et l'humus de la ville imprégné de soucis recouvrira longtemps nos habitants passés, jeunes et vieux et rois et mendiants entassés. Racontez-moi l'histoire du monde, depuis le noir des catacombes, tous ces Parisiens enterrés depuis toujours et à jamais. Voilà, voilà. Oui, Zazie. Moi, je vais aller à l'école jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 65 ans? Oui, je vais être institutrice. C'est pas un mauvais métier, il y a la retraite. Retraite mon cul? Moi, c'est pas pour la retraite que je veux être institutrice. C'est pour faire chier les mômes. C'est gros mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Eh ben... gosses à emmerder, je leur ferai lécher le parquet, manger l'éponge du tableau noir, coller leur tête dans l'urinoir. L'hiver, j'aurai des bottes pointues pour leur enfoncer dans le cul. J'aurai des éperons grands comme ça pour leur larder la peau du derche. Je leur enfoncerai des combats dans le derrière. Faut pas qu'on me cherche. Tu sais, Zazie, l'éducation ne va pas dans cette direction. On va vers la douceur. C'est écrit dans le journal. Faut préférer le bonheur, l'harmonie, la morale. Jamais de la vie. D'ici 20 ans, Zazie, il n'y en aura plus d'institutrices remplacées par l'électronique. Des trucs comme ça, c'était écrit dans le journal. Suis d'aujourd'hui. Alors, je serai astronaute. Voilà un métier qu'il est bien. Pour aller faire chier les martiens. Mais enfin, Zazie, tu pourrais pas être un peu plus polie de temps en temps? Politesse mon cul. La violence, ma petite chérie, doit toujours être évitée dans les rapports humains. Elle est éminemment condamnable. Condamnable mon cul. Non, tu parles comme ça chez toi? Ici et là-bas, ça fait deux, j'espère. Oui, bah, en tout cas, ce serait bien que t'arrêtes de dire des gros mots. Et encore? T'as rien entendu? Gros cochon, salaud merde alors, merde et merde et snob mon cul. Je m'en fous Napoléon, de son chapeau à la con. Je t'emmerde, vieux vicieux, sacré bavard de mes deux. Enfoiré, salaud fumier, ça va chier. M'emmerde plus avec tes vices mardises. Dégueulasse, me fais pas chier, ça tire. Cochon, sale merde alors, merde et merde, il snob mon cul. Je m'en fous de Napoléon, de son chapeau à la con. Tu déconnes, t'as de cave, gougnapier, vieux bourrin. T'as pas compris, fleur de nappe, vous m'emmerdez à la fin. La victoire paie le vieux débris, c'est pas fini vos conneries. Sacré cloche, petite nature, t'es trop moche, t'es trop moche. Salaud complet, gros vislard, je vous cracherai sur la gueule. Vieux crado, y'en a marre de ces cochons, c'était sexuel. Pas moyen d'être tranquille dans ce bordel.
interprètes féminines. J'appelle le duo époustouflant lauréate de l'année dernière. J'ai nommé Christine Bonnard et Mag. Je sais pas où mettre ça. Attends. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sachez tout d'abord que c'est un honneur pour nous de remettre ce prix. Oui, prix que nous avons eu l'immense plaisir de partager l'an dernier. Interprète féminine. Eh oui. Interprète féminine. Mais merci d'abord à vous, chers auteurs et autrices, d'écrire des rôles vibrants et inspirants pour les femmes. Pour toutes les femmes, de tous âges et de tous horizons. Qu'on soit une Lucienne Fromentel ou une Stella Spotlight. Et alors merci de mettre tout ce genre de femmes au centre de vos histoires. Vous faites de ces femmes, ordinaires ou non, des héroïnes que nous incarnons avec passion. Merci aux metteurs et metteuses en scène, aux partenaires et aux équipes créatives qui nous accompagnent. Afin que sur les planches, soir après soir, et c'est le plus beau des défis, l'interprète et le personnage ne fassent plus qu'un. C'est beau ce que tu dis. Ouais, merci. Hein, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais, Christine? Non, je te pince. Elle me pince. Mais arrête! Oh, j'adore! Mais qu'est-ce qui te... Mais non, mais parce que tu sais, il y a l'IA et tout ça, l'intelligence... Bon, enfin, tu vois, on est gâtés, là, on peut encore faire comme ça. Ah ben oui, d'accord. Ah ben, tout ce bien, attends, moi aussi, je sais. Oui, ah ben oui, voilà. C'est important quand même, voilà, c'était tout ce que... Tu vérifies que je suis bien réelle, quoi. Oui. Mais d'accord, ok. Je signale, Christine, qu'il n'y a rien d'artificiel chez moi. Ben. Sinon, j'aurais fait ça un peu plus gros, tu vois. Enfin, ben, nous sommes très bien, enfin, je... Moi, j'aurais préféré un peu... Non, mais bon. Bien. Enfin, bref. Alors voilà, et donc après, je pense que tu peux. Qu'est-ce que je dois dire un truc? Ah bah non, rien. Oui, ah moi voilà. C'est moi, c'est à moi. Ah, ah bah voilà, donc c'est une chance qu'on soit encore en chair et en os ici sur ce plateau. Et on a également une chance dans le spectacle vivant, c'est qu'il reste encore des sociétés de production, petites ou grandes, qui tiennent bon et qui, malgré les difficultés, il y en a eu beaucoup ces dernières années, accompagnent les projets dans l'honnêteté, la bienveillance et la transparence. Merci à tous ceux qui croient encore au spectacle vivant. Alors, quant à elles sont des intelligences bien réelles. Ce sont nos nommées dans la catégorie interprète féminine. Nous avons en nommé Romane Boringer, dans Le Bel Indifférent. Vanessa Cayol, dans Courgette. Rosie Polastro, dans Norma. Gaëlle Gauthier, dans Mamma Mia. Cléo Seigna, dans Musical Colette. Léo Vaniro dans Mamma Mia. Ah bah oui, maintenant il faut dire. Alors la gagnante est... Il faut enlever l'enveloppe. C'est l'angoisse, j'ai pas d'ongles. Non, ça va. Avec les dents. Avec les dents, bah oui. Oh, j'ai pas de main non plus, visiblement. Alors... L'artiste interprète féminine est Vanessa Cayol.
la chance cette année, dis donc. Je vais baisser les micros. Hein. Je tremble. Hein. Non, je m'attendais pas du tout à vous montrer mes belles paillettes ce soir. Ouais, quand même. Patricia Pépé, merci. Parce que j'ai une admiration folle pour les copines qui sont nommées dans cette catégorie, les meufs. Il a nous toutes ce trophée, hein, on est d'accord. Cette récompense, elle a une résonance particulière pour moi parce que le musical, c'est le milieu artistique qui m'a accueillie, qui m'a construite, qui m'a fait vivre mes premières grosses aventures théâtrales, qui m'a permise d'assouvir une trop grande curiosité et une hyperactivité latente, on n'a pas à se mentir. J'ai commencé mon parcours moi, par la danse classique et puis j'ai rajouté le chant, la danse, le théâtre et j'aime mélanger tous ces arts. Attendez, je me calme un peu parce que je tremble beaucoup là. Et j'aime aussi, surtout, casser les frontières, comme je me plais à dire. Et je m'associe au discours un petit peu de Claire tout à l'heure. C'est devenu inconsciemment mon combat, parce que quand j'ai commencé mon parcours artistique, j'avais 3 CV. J'avais un CV pour les castings de danse, un CV pour les castings de chant, un CV pour les castings de théâtre. Alors j'ai joué le jeu, mais j'ai pas trop aimé faire ça, parce que je crois qu'une danseuse peut être comédienne, qu'un chanteur peut être danseur. Ouais. Ouais. Je crois que ce qui est beau dans notre métier, c'est de justement ne pas se définir, de ne pas nous ranger dans des tiroirs, mais se rencontrer, se mélanger, se métisser, s'inspirer de l'autre, découvrir, continuer d'apprendre, se respecter, rester curieux, enfiler plein de casquettes différentes et justement de les casser, ces frontières, pour simplement aller à la rencontre de l'autre sans préjugés. Ce combat, je le trouve essentiel et même au-delà de la scène et de notre métier. Alors merci à ma chère metteuse en scène, Pamela Ravassar, de m'avoir offert le bonheur de jouer, de chanter. Merci de m'avoir dit « Ouais meuf, t'as fait du violon, t'avais 10 ans, vas-y, ressors-le !» Merci à Fred Minière, notre créateur son, de m'avoir dit « Bah ouais, t'as envie de faire de la basse, fais de la basse !» Alors oui, continuons de chanter, de jouer, de danser, de faire du triangle ou des claquettes, d'être très créatif et de les casser, ses frontières. Merci à tous, c'était long. Merci au trophée. Alors, continuons avec le troisième nommé de la catégorie comédie musicale, Holidays. Le temps d'une folle soirée, Louise, Véronica, Suzanne et Nikki se retrouvent dans leur chambre d'adolescente après 14 ans de séparation. Mais ce qui ne devait être qu'une joyeuse soirée nostalgique et rose bonbon, rythmée par les tubes de Madonna, va être le théâtre de révélations et de règlements de comptes. Il s'agit bien d'un huis clos, mais qui n'a rien, mais alors rien du tout à voir avec la pièce de Jean-Paul Sartre. À ce moment de leur soirée, Nikki raconte sa toute première rencontre. Sandrine ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je pitch. Non voilà. Sandrine, tu bitch Sartre ? Rose bonbon ? C'est péjoratif rose bonbon, Sandrine, et réducteur ? Tu sais qu'il existe 245 nuances de rose ? Blush pink, French pink, rose bar... C'est toi le bonbon. Non mais c'est pas contre toi Sandrine, mais vu que ce sont nos souvenirs, ouais. C'est quand même mieux si on les raconte nous-mêmes. Oui, hein? Allez, ça part. Ciao. Putain, il m'avait pas prévenu de ce... Merci. Oh non. Merci. Oh, merci Sabine. Cyril. Sandrine. Brice. De rien. Voilà. Alors, à ce moment-là de la soirée, Nikki se remémore sa première rencontre avec Véronica alors qu'elles avaient que 10 ans. Quand tu m'avais suivie pour me coller ton Walkman sur les oreilles. Oh. À cette époque, sa musique, c'était les cantiques. Elle avait même pas de Walkman. Et pour la première fois, elle a reçu dans ses oreilles de la pop. Le son m'a envahie et je me suis sentie exister. C'était comme une révélation. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I've been had.
C'est un peu long tout ça. Hein. Patrick Niedo et moi, d'habitude, on se couche vers 21h, vous voyez. Donc là, on est un petit peu. Bon, c'est un petit peu plus loin. Alors, oui, parce que bon, adoré ou pas, la cérémonie a été longue et on a tous envie d'aller picoler, non? Enfin bon, moi, ça sera sans moi. Hein. Voilà. Alors, on aurait pu finir par un magnifique message sur la comédie musicale en France qui évolue d'année en année, sur notre petit milieu qui fait de si grandes choses, sur... on aurait pu finir, par exemple, sur un placement de produit, je ne l'ai pas encore fait, j'ai oublié, Schweppes. Parce que oui, nous sommes sponsorisés par Schweppes. Merci à vous. Voilà, on aurait pu aussi parler de toute l'équipe et remercier toute l'équipe des trophées de la comédie musicale. Toute l'équipe des trophées de la comédie musicale qui font de cette soirée un événement exceptionnel. Voilà, on aurait pu parler de tout ça, mais on ne le fera pas. Voilà. Alors, je vais... Ah oui, bon, je vais quand même vous lire les nommés. Je prends place derrière ce pupitre magnifique. Alors, les nommés pour le trophée de la comédie musicale sont Courgette, Holidays, Molière, le spectacle musical, Norma, devenue célèbre, et enfin Zazie dans le métro. Alors, et les gagnants, le gagnant est Molière, le spectacle. Thank you.
Merci, merci beaucoup. On est extrêmement honorés et heureux voilà, d'avoir ce prix. Donc merci aux gens qui ont voté pour nous. La belle et géniale et tellement géniale bande qui est là n'est qu'une petite partie des gens qui travaillent sur ce spectacle. Ça a été le génie de Dovatia de d'oser faire des grands spectacles, le génie de producteurs qui nous ont suivis dans cette aventure, et puis voilà, et le public qui nous a suivis au fur et à mesure. On peut hélas pas citer tous les gens qui bossent, mais chacun est tellement précieux et on est tellement heureux chaque soir de proposer ce spectacle. Donc merci à leur générosité immense. Et voilà, et merci à cette soirée de permettre que cette soirée existe. On est tellement heureux d'être là. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, cette soirée touche à sa fin. Un dernier coup de projecteur pour remercier nos étoiles de la soirée. Merci aux Folies Bergères pour leur accueil scintillant. Merci à Schweppes d'avoir ajouté des bulles à notre festivité. Merci à Disneyland Paris. Oui, parce que est-ce que vous aviez remarqué les magnifiques costumes de l'ouverture ? Eh bien, ce sont les petites fées de la couture de Disneyland Paris qui nous ont prêté les costumes pour l'occasion. Merci à Drama Paris, en la personne de Suzanne Sarquier. Merci à MTI. Merci à Aubry Gestion et Casting.fr pour leur soutien indispensable. Mais aussi merci à l'ADAMI, l'Association pour le soutien du théâtre privé. AER Création et nos écoles de comédie musicale de nous avoir prêté des locaux de répétition et quelques-uns de leurs futurs talents pour notre merveilleux cœur. Nous pouvons tous les applaudir. Alors bien sûr, il n'y a pas de cérémonie sans musiciens. Il n'y a pas de trophée de la comédie musicale sans musiciens. Alors, vous allez essayer de deviner. Il sait tout faire avec sa bouche, aux rides, clarinette, flûte, traversière et j'en passe. Oui, François Chambert. Il souffle fort dans sa trompette. Stanislas de la Chapelle. Elle tient ce groupe d'hommes avec sa basse. Valérie Picard. Il est co-arrangeur des musiques originales et à la batterie, Simon Le Héros. Également co-arrangeur des musiques originales et au clavier, Nicolas Del Gallo. Il porte les plus belles chemises de Paris. C'est notre chef d'orchestre, directeur musical, co-auteur, compositeur des musiques originales, et il est aussi au clavier ce soir, Julien Mouchel.
Et enfin, mesdames et messieurs, vous avez entendu sa voix suave au début de la cérémonie, et il signe le livret de cette soirée, monsieur Guillaume Sorel. Alors voilà, notre sixième édition des cérémonies des trophées de la comédie musicale s'achève. Et que dire ? Eh bien, que l'année prochaine, nous fêterons notre septième édition. Oui, peut mieux faire. Sept, comme le nombre des nains qui accompagnent Blanche-Neige. Sept, comme le nombre des couleurs de l'arc-en-ciel. Sept, comme l'équivalent chez un humain d'une année de la vie d'un chien. Oui, enfin bon, Dieu s'en dit ça, mais tout dépend de la race. Hein. Regardez le bouvier bernois, par exemple. Bah, son espérance de vie est de 6 à 8 ans. Eh oui. Oh, j'ai oublié mon petit Grégory, j'ai oublié de lui fêter son anniversaire. Mais pour me rattraper, je vais lui offrir des chocolats. Ah, voilà. Hein, c'est beau la Suisse. Mais bien sûr, là encore, il faut choisir. C'est comme le Brexit. On entre ou on sort. Titre. Je m'égare. Donc ce soir, ce n'est pas le 7, messieurs, dames, qui nous rassemble et qui nous accompagne, c'est le chiffre 6, symbole d'harmonie et de stabilité. Dans cet écrin magnifique, ce théâtre féerique, nous finissons par tradition en chantant une chanson. Les trophées, c'est fini, il est presque minuit. Quelle cérémonie! Lorsque le rideau tombe, c'est l'humeur vagabond. On retourne autour d'un verre, les mêmes langues de vipère. Les places sont de plus en plus chères. Soit ici.